Hey, salut tout le monde, c'est l'éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA 5 Online pour quatrième partie de la mission du DLC Cracking Bell avec Vincent. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite de cliquer sur like, de faire partager cette vidéo, de commenter. Et puis toi qui passes par là, qui n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne, bien évidemment. Et je vous dis bon visionnage à toutes et à tous. Next up, acquiring a getaway vehicle. We need to take the same precautions we did for the weapons. We steal it from a gang, so the trail leads to them instead of us. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Voyons voir, préparation d'élite fuite. Let's go! Mission d'élite fuite. Salutations. There are three potential getaway vehicles spread across these locations. Get a good look at these surveillance shots I'm sending through. These are the gangs on our radar. Sure, you have plenty of vehicles capable of getting you out of Cluckin' Bell with all your extremities intact. But we need something that can't be traced to us. I've acquired three suitable options for a getaway car. All of them are sourced from local gangs bribing the LSPD to turn a blind eye to their activities. If the car ends up getting traced, the trail leads back to them, not us. We'll only need to use one of them for the raid. The choice, as always, is yours. Okay, we got three cars from three gangs, but you only need one to get away from the Cluckin' Bell factory. All these cars differ in quality. You can safely assume all of these locations will have men with guns on standby, ably prepared to deal with any so-called fuck shit. Be warned, these are the same gangs you may have previously visited in order to borrow their equipment. If you're rash enough to return to the same people, expect heavy resistance this time. Du coup, j'ai changé d'avis. Je vais aller d'abord sur A et voir ce qui se passera. These degenerates last time, but don't underestimate their ability to adapt. Even when it comes to their rusty ass car, you will find more resistance. I'm surprised to find this gang in this neck of the woods. This whole area is run by the Lost MC. Must be slipping. Anyway, can you see the vehicle? They'll likely have it stored somewhere secure. Look for a garage and find a way inside. It shouldn't be hard to break into. Trouver et voler un véhicule de fuite. Elle est sûrement dans la zone. Elle est sûrement dans la zone. La voiture. Mais il faut bien chercher. Comme par hasard, il n'y a aucune voiture dans le parking. Hein. C'est bon, je l'ai trouvé. Ils sont juste là. Ils m'ont dit de partir, mais non, je vais rester. Et je vais imposer ma loi. Regardez ça. Hop! Voilà! Ah, ils sont nombreux là. Du coup. Je vais faire comment? Je vais monter vers l'autre côté ici. Comme ça, j'ai meilleur angle, non? Non, non, il faut que je fasse le tour encore. Je vais passer par là. Ah, ici, je suis bien, non? Ah, je suis bien par là. Là, je suis bien, bien placé là. Pour moi, je suis bien placé normalement. Hop. Au revoir. Il est où l'autre? Ah, il est au fond. Un de moi. Il y en a un qui est juste collé sur moi. C'est le dernier. C'est bon.
Non, il y en a d'autres. Est-ce que ça va spawner encore à l'infini? Ah, il y a un point rouge. C'est quoi ces points rouges? Ah, il faut que je me dépêche parce que ça spawn sans arrêt. Détruire la boîte fusible. Où est-ce qu'elle est cette boîte fusible? Ah, c'est là-haut. Ah, il faut que je tire dessus, non? Vous avez déverrouillé le garage à l'adresse A. Bah, je suis bien à l'adresse A, hein. Ouais, il est là. Je recule un peu. Ça a l'air calme du coup là, parce que le calme avant la tempête. J'espère qu'ils vont modifier cette voiture parce que ça a l'air d'être fébrile. Là, c'est un test. Pour voir si ça résiste aux impacts, mais ça n'a pas l'air. Faut que j'arrive à m'enfuir déjà. Allez. En plus, il faut que j'aille l'autre côté. Je vais tenter de me défendre. Je vais essayer de me défendre parce que là, c'est. Depuis tout à l'heure, ils se sentent puissants. Alors, qu'est-ce que vous en dites là? Sortez. On règle ça tout de suite. Hop. Alors, qui c'est qui fait le malin maintenant? Alors. Ah, depuis tout à l'heure, regardez-moi l'état de la voiture. Ils ont massacré. C'est par ici, hein. Je vois le point. Ouais, je vois le point, mais. Ah, il faut d'abord que je répare la voiture avant de me livrer. Bah, normalement, c'est pas à moi de faire ça, c'est un mécano spécialisé du braquage. Qu'est-ce que tu me fais, Vincent? Allez. En plus, c'est pas marqué, hein, il dit pas. Hein. Heureusement que le GPS m'indique l'endroit. Réparer le véhicule. Ah, il fallait juste que je répare la voiture. Ok. Vu que ça m'a rien coûté, ça me va. Maintenant, je peux livrer. C'est bon. Accès les poches à livrer un véhicule de fuite. Envoyez SMS à Vincent, confirmer le véhicule de fuite. Pour confirmer le véhicule de fuite. Ok. Confirmer. Sortez du garage. Quitter la zone de l'usine. Encore une mission réussie. Yeah.
Excellent. I've been investigating where the factory workers park, and fortunately for us, the garage seems to get completely ignored. Your getaway car will remain undisturbed until it's time for the raid. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite de cliquer sur le pouce bleu, de commenter cette vidéo, de partager. Et puis toi qui passes par là, qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!